Nous revoilà pour cette deuxième partie de stream. Après ce magnifique mode grid avec Kane. Et on va continuer avec The Poop ou Blue Baby. Communément appelé Blue Baby plutôt. Par son nom c'est point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Et on continue sur le grid mode parce que il a pas fait le grid mode. C'est pas bien. Donc, particularité de Blue Baby, c'est que il ne pourra jamais... Ah, Rafanta, ton ordi s'est éteint. Ça arrive. Donc, particularité de Blue Baby, il ne pourra jamais, au grand jamais, avoir de cœur rouge. Il va falloir absolument avoir des cœurs bleus pour que il ait de la vie. Du coup, ça le rend un peu spécial. Une pub de 3 minutes? What? J'ai des pubs sur mon Twitch? Je vais être rémunéré pour ça, moi! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais du coup, pendant la pub, est-ce qu'on m'entend? C'est le film de WoW. Bon, dans ces cas-là, c'est une bonne pub. Mais 3 minutes, c'est long. Je t'invite à installer Adblock, hein, vagabonde. De la vitesse, du HP, je dis non. Mince, je suis en train d'écrire sur le stream. Voilà. On va essayer d'avoir un petit starter des familles. Ah, ça pourrait être bien. Ah mais vous inquiétez pas, vous pourrez avoir... Vous avez la rediff sur Twitch pendant 2 semaines. Sinon, d'ici 2-3 jours, la vidéo sera uploadée sur YouTube. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours revoir cette magnifique action. A little Steven. On va essayer d'avoir un truc sympa. Ah, je peux... Non. Grosseur mode. Ah, voilà. Hormone de croissance, plus 1 en DPS, enfin en dégâts. Et Tospeak qui est en solde. Ah ! Tant que je fais pas de la merde, et Q c'est absolument que la merde et moi, ça fait 1. Ah mince, du coup j'aurais dû attendre pour lancer si tu ne vois pas encore l'image. Ah, je vais faire pause. Dis-moi vagabonde. Quand tu as terminé, quand ta pub se termine. Je vais attendre gentiment. Elle fait pause pour faire durer. Secondes, je n'ai pas pris de chronomètre. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre mon téléphone en vibreur car toujours en stream, on me dérange. Je suis justement en train de dire qu'on me dérange en stream et bam! Oh, désolé pour la petite coupure. Waouh, je sais pas comment je vais faire pour réparer ça. Il semblerait que ma connexion est drop et coupée. Du coup, vous avez une petite coupure. Ah mince! De nouveau la pub! Ah, je vais écrire un truc qui est pas bien, mais alors pas bien du tout. Bon! Ah, parce que des pubs de 3 minutes non skippables, la galère quand on veut retrouver revenir sur un stream, c'est chiant. Bon, du coup, tant pis, hein, j'avance un petit peu. Tu nous retrouveras, vagabonde.
le temps d'installer Adblock. Ah non, 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 laissez-moi. Non. Faites votre vie ailleurs, voilà. Oh, vagab... Putain de... Pourquoi ça drop? Chier ça. Je sais pas du tout comment je vais récupérer la VOD pour YouTube. Peut-être la mettre en deux parties. Ah, chier. Il s'est passé quelque chose. Non, juste le stream qui a drop du coup. Ce qui fait que tu t'es retapé une pub. Mais non, je suis toujours à la première salle. On t'attendait. Hop. Je vais essayer de bien jouer pour changer. Il n'y avait pas grand monde quand je me suis bien fail sur ma daily run. Bon, une daily run avec The Lost. Forcément, ça peut pas aller très loin. Quoique la dernière fois, j'étais allé quand même jusqu'à Thieves. Ce qui était pas mal. Allez, hom, 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 le bon fric. Merci, pub de 300 secondes que je pouvais pas skipper tout de même. Bah ouais. Pour ça, il y a Adblock. Adblock, c'est le mal. Donc, je suis complètement d'accord que ça enlève le pain de la bouche de certains éditeurs, compagnie. Mais 300 secondes de pub. Tu as déjà essayé The Hush? Oui, j'ai déjà essayé The Hush. Je l'ai battu avec plusieurs persos. Et j'aime bien. Hush est sympa, mais il faut vraiment un build assez pété quand même. Bon, hop. Faire attention à ce que j'ai chopé. Que j'ai chopé une grosse bombe style Megaman. Qui s'appelle le Bomber Boy. Et qui nous permet donc de faire des explosions en croix. Très sympa, mais très dangereux si on fait pas attention à la distance. Hop. On repart. Donc j'ai pris l'autospeak qui nous donne un peu plus de cadence de tir. Nos larmes sont devenues toutes rouges. En fait, il y avait skip ad sur l'écran où apparaissaient la roue et les flèches pour mettre en grand écran. Ah, ça c'est embêtant. Faut que je lise un petit peu moins le chat et que je me concentre un petit peu plus sur le boss. C'est vraiment le problème de Blue Baby, c'est qu'il peut pas régène. Il faut absolument des cœurs bleus pour être bien. Et les cœurs bleus, ça coûte 5 pièces quand on les propose surtout. Tu fais essentiellement du Binding of Isaac ou d'autres jeux. Je fais à 80% de Binding of Isaac. Il m'arrive de tester des petits jeux indés qu'on me propose. Généralement, on me dit tiens, essaye ce jeu. Je teste pendant une bonne heure en stream. Récemment, j'avais testé iZombie, Donwell et Human Resource Machine qui sont très très bons. Et bah, il m'arrive de jouer à des jeux en 3D, style Fallout, mais. En stream l'autre fois, ça a déconné. Je sais pas si c'est la 3D ou si c'est ma connexion qui a merdé. Du coup, j'essaierai d'en proposer un autre jour. Mais 80% du temps, c'est Isaac, Isaac, Isaac. J'ai déjà 350 heures sur le jeu. Vu que je joue depuis Rebirth. Et j'en vois pas le bout. On l'a déjà fait, tu peux quand même cliquer sur Skip Ad. Normalement, ça marche. Ah ok, désolé, je dois ABS, ma mère m'appelle. Ok, à tout à l'heure alors. En attendant, on va continuer. Je vais prendre le halo parce que bon, c'est un HP. Hein. Puis on va essayer d'avoir un cœur bleu. C'est quoi, Père Cano? Ah, ah, ah. Et... Ah, il me propose pas de cœur bleu, cet enfoiré.
Bon, on a gagné un peu de DPS avec le halo, qui est un très bon all-stater. Il faut vraiment que je fasse attention à ma vie. War of Babylon et la queue de Guppy. Bah ouais, c'est des très bons items, surtout avec Blue Baby. Sauf que j'ai pas les moyens. Si je prends l'un des deux, je meurs. Revagabonde. Bon. Bah tant pis, hein. Cet étage, c'est mort. Je vais quand même bomber ça. Oh putain! Et on va continuer. Ah, premier étage très mitigé quand même. On sera pas aussi bien que le précédent. Le précédent, où je rappelle, dès le premier Devil Deal, paf, on a eu Jera. Et c'était très bien. Ah, bah voilà, un cœur bleu. Nope, je vais pas tenter quand même. Je vais bomber les marchands. Hey, hey, look. Merci pour le follow, vagabonde. Et bienvenue dans la team. Oh, 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 oh. Comment ça? Pourquoi mon téléphone sonne alors que j'ai mis en silencieux? What the fuck? Non, non, non! Je suis distrait. Je suis distrait, distrait, distrait. Non, non, ah! Je vais utiliser le percano. Ça reprend quand? Ah, mais le stream a repris! Donc, si Fanta ne nous voit pas sur le stream, dites-lui de refresh la page. Voilà. Et pour cette petite pause. Ah là là. Malheureusement, parfois, quand ça part en offline comme ça, il faut faire F5. Ça arrive, c'est embêtant. Donc refonta. Donc comme tu le vois, on est au deuxième étage. On n'a pas eu grand chose depuis. Si on a eu le halo tout à l'heure. Et bah je me fais bourrer aussi. Kezako. Allez, allez. Hey! Ah. Oula, 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 oula. J'ai ma manette qui est en train de rendre l'âme. Encore un imprévu. Voilà. C'est reparti. Allo égale luck up. Wow, wow! C'est bon, t'as fini? Non, Halo n'est pas un luck up. Halo, c'est un all stats up. En gros, ça augmente un petit peu toutes mes stats. Ça me donne un HP et ça augmente pas mal de stats. Donc j'allais tester la pilule, qui est un speed up. Voilà, la manette me manque de respect. Je l'ai prêtée à un ami hier soir et je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Elle n'est plus la même depuis. Bon, j'essaie de les tuer au-dessus du vide. Mais je pense que je vais pas pouvoir. Oh oh! Tiens, mange. Mange, mange, mange. Tu aimes les bombes? Tu aimes les bombes, Chubb? Oui, tu es un bon dondogon. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Ah oui! Exactement!
Et je veux pas savoir. Je remarque que j'ai pas acheté ma clé. J'ai peut-être fait une bêtise. Bon, je vais l'acheter juste après. Sport, sport, sport. Ah, Little Horn, tu fais chier. Non, 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 non. Non, 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 ouch. C'est un nouveau boss d'Afterbirth, effectivement. Il y a Little Horn et... comment il s'appelle? Ragman. Ragman qui est une espèce de petite momie. Et Little Horn est très lourd. Enfin, en x2 surtout. Oh, oh la merde! Non, 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 va-t'en! Non! Ah! Ah, on était si bien! Oh! Bon, on va essayer de retrouver un starter. Ah, ça, c'est des cœurs, c'est pas mal, mais. Pas en starter. Arrête moi-même. Sort de la mort, adopter le PLS. Je vais prendre le clou. Je vais prendre le clou parce que je vais tirer plus vite. Mais pour l'instant, pas gagné. Il faudrait que je me concentre un peu plus sur ma run, que je lise un petit peu moins le chat. Au moins pendant les vagues. Oh 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 oh. Oh oh. Alors, ces nouvelles mouches, elles ont un pattern assez particulier. On sait jamais trop où elles vont. Hey. Nope. Non, 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 non. Laissez-moi. À tout de suite, Fanta. Hop là. Ah mais quand il disait que le Green Mode allait devenir plus dur, il rigolait pas hein, tout à l'heure. Waouh. Ok. Du coup, on va acheter une clé. Il donne une clé. Merci. Et oh. Le mushroom. Est-ce que je peux m'acheter un truc qui serait bien là? Le Fanny Pack? Non, 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 il n'y a rien de bien. Je pourrais m'amuser avec le D20. Et je crois que je vais m'amuser avec le D20. Ouais. Je vais faire mumuse avec le D20. Clairement. Le D20 avec lequel il y a moyen de. D'amuser, on va dire, le shop encore. D'ailleurs, des vins à ne pas utiliser dans cette pièce. Sauf peut-être avec Jira. What? D'accord. Crache-moi des... Non, mais... Pas sur moi.
Le D20, ouais, j'ai jamais vu plus que le D8. Le D20 qui nous permet de reroll donc tous les pick-up. Et j'ai fait de la merde. J'ai fait du caca. Ah putain. Ok, un dingle rouge. Je vous le montre. Coucou dingle. Je sais pas, je crois qu'il nous rush, voilà, 4 fois. Maintenant, il y a le D7, il y a le D8. Je sais plus ce qu'il y a comme autre dé encore. Tout nouveau, bien sûr. Parce qu'après, bien sûr, on a le D4, on a le D6. On a le D10 qui roll les ennemis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais essayer d'acheter un truc à 5. C'est pas trop chiant. Je vais prendre la clé à 3. Ah, il nous propose pas de cœur bleu. Hein. Bon. On va prier pour un dé de 4. Mais non! Mais non! Une pop vivante? Ah! Un caca vivant, oui! Dingle est un caca vivant! Qui siffle en plus! Dingle qui a plein de formes alternatives désormais. Le rouge qui fait des cacas rouges. Le jaune qui est, on va dire, qui a mangé mexicain. Et après, il me semble qu'il y en a d'autres. Oh non, Krampus. Bon bah, RIP. RIP. Oh 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 oh. Bon bah, Krampus hein. Oh là là. La tête de Krampus qui est plutôt pas mal. Franchement, c'est un bon item. Sauf que dans le green mode, hein, la tête de Krampus, c'est pas ce qu'il y a de mieux. La Game Boy, non. HP up. Oh la détresse. Oh la détresse. Non. Dégagez. Oh putain. Non, dégagez, dégagez, dégagez. Merci, au revoir. C'est ça, la tête de Krampus sert pas à grand chose dans le green mode. Sauf pour infiniser les boss. Bien sûr. Ou alors vraiment en cas d'extrême urgence. Oh putain. Genre là, je vais laisser bien les ennemis pop. Tranquillement. Et puis... Voilà. Je pète un câble et je casse tout. D'accord, hop. Faut être moche pour être fort. Ouais, ça dépend. Azazel, je trouve très mignon. Et pourtant, il est très fort. D'ailleurs, il a été re-up, ça y est. Ils ont fixé le petit problème qu'il avait. Allez, 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 Je transpire. C'est la première fois.
Azazel pour les noobs. Ah, fly et laser. Ouais, non, il a pas de range, hein, surtout, faut pas oublier. Il a pas de range, il commence avec 3 cœurs noirs. Et il a été super nerf, hein. Il est devenu vachement dur à jouer. Pas. Enfin, il a été rep, mais il est nerf par rapport à Rebirth. Ça reste mon personnage préféré. Tout simplement parce qu'il a une façon. Il a une façon bien à lui de. Enfin, il a son propre gameplay surtout. Voilà. Il a un gameplay que moi j'aime bien pour me détendre. C'est le boss de la détente. Enfin, le perso de la détente. Même si, depuis Afterbirth, j'aime beaucoup Lilith. C'est un personnage très sympa. J'aime beaucoup son skin. Ah, depuis Afterbirth, oui, Lilith est passée dans mon top 1 des persos, du moins qui ont le plus de classe. Après, à jouer, toujours ma petite préférence pour Azazel. Parce que Azazel, voilà. On veut aller vite, on veut se détendre, paf, Azazel. Après, je comprends parfaitement que, effectivement, c'est un perso. Ah, ou c'est un petit peu pour les noobs. C'est pas faux. Vous savez quoi, je vais pas tenter le Devil Deal. Je sens pas. Un demi-cœur, je peux pas le faire. Je risque vraiment de mourir. Tartini Planète. Et du dégât. Mais Tiny Planet quoi. J'ai jamais joué mais je regarde beaucoup de rediff ou de live. Ah, tu devrais l'essayer. Tu verras, il est très sympa à jouer. C'est vrai qu'à regarder, il est divertissant. J'aime beaucoup aussi regarder des Twitch de ce jeu. Mais après c'est plus pour voir les synergies. Qu'il y a tellement de possibilités. Oh, d'accord. On n'a rien vu. On est d'accord, hein? On reprend depuis le début. Bonjour et bienvenue. Vous n'avez rien vu. Tout ce qui est arrivé avant ceci était le fruit de votre imagination. Putain de merde. Ton ordi ne le supporterait pas, pourtant ce n'est pas un jeu très lourd à faire tourner. Et en parlant d'argent, bah il y a moyen de l'avoir gratuitement, enfin d'y jouer gratuitement. Après je ne dirai jamais allez-y, téléchargez-le, testez-le. Et après, pour ce qu'il vaut, franchement. Le jeu est vraiment pas cher. On va dire. Allez, en période de solde, vous pouvez avoir le jeu et son extension pour moins de 10€. Franchement, c'est. Allez, c'est un McDo. Vous faites un McDo de moins dans le mois et vous achetez le jeu et son extension. C'est pas de l'argent gâché. Pour 300 heures, franchement, pour 300 heures de jeu passé dessus, je trouve que l'investissement y était. Ah merde! Je déteste ces petites araignées rouges là qui vous bourrent avec amour. Hop. Allez. Non. Laisse-moi. Bon, tu meurs? Oui. Tu connais un youtubeur qui a fait plus de 500 rediff Twitch, YouTube. J'ai plus que Call of. Waouh, je parle mal. Ah, mais tu peux parler mal, hein. Ici, on peut parler mal, on peut parler des autres streamers. D'ailleurs, je fais pas de pub non plus, mais j'adore Mister MV. Qui a beaucoup, beaucoup dosé le jeu. Purée, le mec en fait un par jour. Ah, ouais, il y a des streamers comme ça. Surtout si c'est des vidéos de 15 minutes.
par exemple, quel autre streamer que je regarde de temps en temps qui joue à ça, DXM, qui est pas très connu par contre. Il s'est chopé un strike. Ah, un strike pour Isaac ou pour la musique? Parce que souvent les strikes c'est pour cause musicale, dirons-nous. Ah, DXM, oui, bah oui, le fameux strike qu'il a pris sur. Sur les. Ah, sur la nudité. Il a pris un strike sur la nudité à cause de. C'était quoi, Sakura Angel, je crois. C'était pourtant pas le plus olé olé des Sakura Angel. Enfin, des Sakura tout court. Je dis pas très connu parce que je compare à. À des Benza, il y a des Fantabob Games ou encore à des Mister MV qui font forcément beaucoup plus de vues. Mais DXM monte gentiment, tranquillement dans ses streams. Lost Pose fait bien pire. Ah, Lost Pose, je ne connais pas. 22, qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter? Un HP up. Le D12, je sais absolument pas ce qu'il fait. Votre avis, le chat. Qu'est-ce qu'on fait? On reroll, on prend le D12. Ouais, DXM a déjà reçu un gros don. Mais il n'y a pas que DXM, hein. Effectivement, plus on a de viewers, plus ils sont généreux, et parfois on a des dons extrêmement généreux. Personnellement, les dons ne sont pas actifs encore, tout simplement parce que moi je n'en vois pas l'intérêt pour l'instant, il n'y a pas assez de personnes, à moins que les gens le demandent. Si les gens en live font la demande Roll Rox, bon, on va voir un peu ce que ça donne. Si les gens font la demande d'un système de dons, je mettrai en place. Alors, D12, hop, voilà, vous avez le D12, donc qui a changé les rochers en caca, en rocher explosif. Ah, pas le meilleur achat de ma vie. Mais effectivement, il me semble que DXM, grâce au don, a pu s'acheter la PS Vita, ou le système de streaming pour la Vita, je ne sais plus. Mais le but était d'améliorer ses streams, et c'est toujours très bien de pouvoir améliorer ses streams grâce aux dons. Mais parfois, c'est la course aux dons et... Hey, hey, merci pour le follow, Fanta. Et bienvenue. Encore. Ah, j'aime bien ma petite notif. Il a pu s'acheter une webcam, exact. Il a pu s'acheter une très bonne webcam qui a un gros retard son. Mais ah, ça après ok, c'est ma façon de voir. La webcam, je suis pas vraiment pour. Les gens regardent trop la webcam et moins le jeu après. Bon, j'ai fait de la merde. Ah putain, le quad shot. Il me faut le quad shot. Il me faut le quad shot. Là. Désolé si je ne lis pas le chat pendant les 30 prochaines secondes. Mais là, il faut absolument que je me concentre. Sinon, on va encore dire RIP. RIP in pepperoni. Et nope. Ah, qu'est-ce que je fais? Je regarde le chat, forcément. Mourez! Mourez dans votre chiasse! Mourez de décès, s'il vous plaît! Veuillez mourir! Ayez la gentillesse de décéder sur place! Histoire que j'ai au moins mon quad shot et une clé! Au moins ça, s'il vous plaît!
Oh putain. C'est balèze? Non. Oh mais putain de... On se démonte pas. On va prendre, on va prendre. Oh là là. Oh là 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 là. Franchement, d'habitude, je suis meilleure. Oh là là. Bah non, mais... Je ne suis pas concentrée. Oh. Ce massacre. C'est nous, on est la malédiction, c'est ça. Le chat, c'est la malédiction des streamers. Non, c'est des amours. Et c'est moi qui devrais moins lire le chat pendant les vagues. Autant pendant les runs normales, entre guillemets normales. De Isaac, on peut se permettre à la fin de chaque salle de regarder le chat. Mais en green mode, faut rester concentré, sinon voilà. Ah mais non. 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 Bon bon bon. Attendez, 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 attendez. On va essayer de partir sale. On va partir sale. Allez. Enfin, j'ai l'impression que le green mode est passé en mode hard. On ne voit quasiment plus de run. Ah, mais j'en fais encore. C'est pas bien de lire le chat. Quand tu lis le chat, tu es plus concentré que quand tu lis le chat, tu peux mourir. Oula, il doit manquer un pas. Mais moi, depuis que Afterbirth est sorti, je fais plus de run normal dans le sens où j'aime bien Hush, j'aime bien... Il faut que je fasse Méga Satan avec tous les persos. Alors que, bon, le Green Mode, c'est très sympa. Mais... Je sais pas, j'ai une préférence pour les autres. Là, je fais le Green Mode parce que... Il faut bourrer la machine de dons. Et il faut que je fasse aussi avec tous les persos. Mais il m'arrive de faire des challenges... de faire des runs tout à fait normales. En hard, bien sûr. Non, juste des virgules. C'est pas bien de lire le chat. Quand tu lis le chat, tu es plus concentré que quand tu lis le chat, tu peux mourir. Mump Knife en starter. Oui, oui, Mump Knife en starter, je prends. Si je le trouve. En gros, quand tu lis le chat, tu peux crever. Fais-le quand t'es safe, enfin conseil. Bien de lire le chat quand tu lis le chat. Le chat est plus concentré. Je comprends, oui. Lire le chat, c'est bien. Ouais, on est tous d'accord. Mais il faut pas le faire pendant une run. Bon, j'essaye de trouver un starter à la con, hein. Franchement. Un Mump Knife, un Epic Fetus, un Polyphemus. Ah, moi, le Polyphème, je prends. Ou un Proptosis, un petit Propto. Effectivement, pour l'instant, j'ai pas vu grand chose pop dans les salles grises. Et allez, allez. Des HP up. Putain. C'est lequel le plus intéressant, le... En termes de HP up, on va dire que le pyjama est le plus intéressant. C'est le meilleur HP up dans le sens où il donne 4 cœurs bleus. On va commencer avec ce grand fort mode. On a un halo. Je pense que c'est un random dans le genre. Que t'as qu'un certain nombre d'objets et qu'après ça reprend les autres. Je suis pas sûr.
Je sais pas ce qu'il y a comme item pool dans les salles. Est-ce que ces deux salles sont séparées en termes de pool d'objets? J'ai des doutes. Enfin, j'ai jamais reroll suffisamment longtemps, mais après une demi-heure de reroll, c'est chiant. Qui aime se taper une demi-heure de reroll en stream? À part les speedrunners, bien sûr. Désolé, je suis à fond concentré. On va essayer de pas trop se faire toucher. Je dis ça et je viens de passer à deux doigts d'une touche. Donc je pars un petit peu moins pendant la vague. Après, on est tous d'accord, hein, le gros silence pour pas déranger. Exact. On est d'accord que le meilleur starter, hein, c'est Psymilk. Meilleur item du jeu. Item du PL. Voilà. Voilà. On prend une clé. On va ouvrir la porte. Oh putain, c'est de la merde. Tout à fait, vagabond. Ce jeu est ultra addictif. C'est... Se lancer dedans, c'est vraiment dire adieu, entre guillemets, à sa vie sociale. Milk quoi? Soy milk. Le lait de soja qui permet en fait de tirer plein de petites larmes en mode mitraillette, qui fait absolument pas de dégâts. C'est de la grosse merde, hein. C'est pour ça que je dis que c'est un starter. Bien sûr, ironique. Ah non, des cœurs rouges. Moi j'en veux pas des cœurs rouges, moi. Bon, je vais garder la bombe. Toujours utile. Mais c'est de la merde. D'ailleurs, je crois que j'ai gâché une bombe plutôt qu'utiliser la grosse bombe, comme un con. Je ne vois pas le smiley sur fond noir. Zut. Faudrait que je change, peut-être un fond vert pour l'intégration. Lilith avec 2-3 diablotins, il a tout gagné comme ça. Lilith avec des diablotins. Ah oui, avec... Ah mais Lilith en green mode, elle est pétée. Tout simplement parce que la boîte se recharge tellement vite que en pleine vague, vous pouvez avoir jusqu'à 3 fois vos familiers. Nous non plus, on voit pas le smile. Ah. Alors c'est un espace. C'est juste un vide. Ce n'est pas un smile. C'est étrange, il me semblait pas qu'il y avait de moyen de se mettre un vide comme ça. Peut-être juste en bourrant un espace. Non. Gemini, il faut mourir. Monsieur, vous êtes tout rouge. Voyons, calmez-vous. Voilà. Bon, évidemment, on sait tous, hein. J'achète le halo. Et bah c'est tout, parce que on n'a pas les moyens d'autre chose. Fais une run avec Lilith, s'il te plaît, après. D'accord. Je valide. Quoique non. Allez. Que je meure ou que je finisse la run, après je fais une run Lilith, rien que pour toi, vagabond. Alors, je voulais bomber ces deux connards. Je suis toujours à l'écoute de mon chat. D'ailleurs, Q, je te trouve très silencieux ce soir. Es-tu toujours parmi nous?
Devil Deal. Un petit Devil Deal genre Abaddon. Un petit Abaddon. Ou un Robe of Sin. Enfin. Cérémonial Robe, voilà. Ah, ce serait dommage s'il n'était plus là. Lui qui est un fidèle des streams. Et... Non mais... Monsieur! Monsieur Widow! Faut mourir! Enfin monsieur, madame. Si elle s'appelle Widow, c'est une demoiselle. Qui suis-je pour me juger? Surtout, Isaac lui-même se déguise en femme. Non. Bon, c'est Krampus. Oh putain! Ah, fait chier. J'aime vraiment pas son nouveau pattern. Lump of Coal. Donc Lump of Coal, on peut rien acheter. Je me tire. Tu sais ça depuis la théorie de Funky Fwin. La théorie de Funky Fwin, je ne connais pas. Si tu peux éclairer ma lanterne. 13. Ah non, je peux rien acheter avec 13. Nope. Je ne connais pas cette personne donc. Lire entre les lignes. Comme quoi il se déguise en sa sœur. Non, je n'ai pas trop suivi en fait les théories diverses sur Isaac. Il y a tellement de choses possibles et imaginables. Rien que les deux nouvelles fins ajoutées à Afterbirth font tellement réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Oula. D'accord, merci Curse of the Maze. Ouais. J'aurais peut-être pas dû prendre ça. Mais après, les. Ouais, c'est vrai qu'il pourrait se déguiser en sa sœur morte. Ou alors tout simplement, il me semble qu'on voit Mom offrir une perruque à Isaac. Et Isaac se faire. Disons. Moquer par ses camarades de classe. Ou c'est juste qu'il aimait porter cette perruque. Moi je me dis qu'au final il n'y a pas forcément d'histoire. Exactement, vagabonde. Je pense que le but c'est justement que tout soit sujet à interprétation. Et c'est beaucoup plus drôle comme ça. Si on cherche pas trop à réfléchir et qu'on dit ah ouais c'est pas mal comme fin. Toujours sympa. Parce que après effectivement on peut partir dans les théories bibliques. Vu qu'après tout, tout est basé sur la Bible dans ce jeu. Ne serait-ce que les persos, hein. Isaac, Magdalène, Ève. Bon, j'ai récupéré du DPS, mais putain. Enfin, j'ai récupéré surtout des dégâts. Mais la distance est à chier, la vitesse, mon dieu, la vitesse. Pas dû prendre le mascara. Oh, bienvenue le vagabond. Et puis, ça fait bizarre de croiser un autre vagabond. Oh, oh, nope. Encore une fois, je lis le chat alors que je suis en pleine vague. Comment vas-tu le vagabond? Il semble que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu sur le chat. Enfin, il me semble t'avoir déjà vu.
C'est surtout ça. Je peux me tromper, hein. Je n'ai pas la meilleure mémoire du monde. Toi aussi veux-tu rejoindre les Illuminati? Mais surtout pas le chat, putain! Bon, là je peux le lire. Ça y est. Putain. Bon, on a 28, on va acheter des trucs. Hein, genre, voilà, dégage, HP up. Et puis, bah, c'est tout parce que j'ai plus d'argent. Ah, il me faut de la distance et de la vitesse. Ah, je t'avais dit de pas lire. Mais oui, mais j'ai lu. Ah, c'est possible, là, vagabond. Je traîne beaucoup sur beaucoup de chat Twitch. Mais après, je participe peu. Du coup, parfois, je retiens les noms. Mais ma mémoire n'est pas suffisamment bonne pour en être sûr. Ah! Nope. Nope. Ah! En voulant balancer ma larme plus loin, forcément. Car si on avance en tirant, en fait, la larme va beaucoup plus loin. Oh putain! J'arrête de lire le chat. Parce que... Allez. Au moins le temps de ces deux boss. En fait, je suis bête. Bon, d'accord. Le terme de DPS, c'est pas vraiment ça. Non, mais non, mais non, mais non! Allez, 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 allez! Joie et volupté. Joie sur le monde. C'est bon, vous pouvez recommencer à parler. Elle va le lire. Ne le lit pas. Comment ça, elle? Dis donc, le vagabond. Comment ça, elle? Avec un pseudo comme ça, tu penses que je suis une femme? Non. Bon, d'accord. La voix prête à confusion. Effectivement, vagabonde, il y a un petit malentendu. Je ne suis pas une femme. Malheureusement, malgré mes 28 ans, mes poils au menton, je suis un homme. Ne vous inquiétez pas. L'erreur est souvent faite. Bon, je rigole un peu. Qu'est-ce qu'on me propose? Une pin, je prendrais bien. Tu prends un de son pseudo, tu échanges de lettres, fais Jessie. Wouah, salaud Q, salaud. Je suis choqué. Ah, mais wow. Je peux comprendre. Bon, j'aurais peut-être pas dû lancer ça. Bon, tant pis. On va y aller doucement. Oh cool, une fille. Ah, je peux comprendre, hein, effectivement. Streameuse. Ah, il y en a un. Ça existe. Ah merde. Bon, je papote encore. T'inquiète, sans cam, on peut rien faire. Ouais, j'aime pas la cam. J'ai pas de cam de toute façon. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens regardent plus la cam que le jeu après. Mais effectivement, sans la cam, on peut pas trop savoir si je suis un homme ou une femme. Mais j'avoue, hein, je suis un homme. Je m'appelle bien JC. Enfin, JC. C'est des initiales, bien sûr.
Ah, voilà, je parle encore. Attends, il faut que je lise parce que sinon. Moi, non, pas vrai, je suis un ange. Ah, si, tu es diabolique, Q. Tu es un loup. Moi, en vrai, je suis une verrue. Mais la cam, non. Moi non plus, j'allais le dire. Jean-Claude. Non, pas Claude. Charles. C'est pas mieux, mais. Tu vas t'en remettre, bagarre. Exactement, t'inquiète pas. Disons que j'ai croisé des filles plus viriles que moi. Et bon, ça met un petit coup. Jésus-Christ, on t'a reconnu. Les loups, c'est pas diabolique. Ah, la dernière fois, tu m'as mordu. Je te donne des croquettes et tu me mords. Non. Bon, là, on me propose Judas Shadow. En temps normal, je dirais oui. Sauf que Judas, il a déjà fait Grid. Les premières fois, ouais, c'est. Ce smiley. Donc, oui, les premières fois, c'est embêtant. Et puis, on s'y fait. On s'y fait, j'ai appris à faire avec. Hein. Qu'on m'appelle Madame au téléphone. Mais. Non, non, je suis un monsieur. Hein, je prendrai pas Judas Shadow. Tout simplement parce que ça transformerait mon perso en Judas, je ne serais plus Blue Baby. Et donc je perdrais tout simplement l'intérêt de faire cette run. Qui serait en fait de faire. Grid avec Blue Baby. Ah, je peux up. Oh! Oh! Je l'ai mordu car tu m'as cherché. Non, je t'ai donné une croquette, Q. Tu m'as mordu. Vilain. Vilain toutou. Wouah. Madame, monsieur. Après, certains disent que les soirs de pleine lune, je change de sexe. Ou en éternuant. Ou alors à l'eau froide. Ça dépend. Des rumeurs, tout ça, des rumeurs. Mais là, voilà, le dégât est arrivé. Manque de du shot speed quand même. Et du range un petit peu. Non, non, non. Ah, mais c'est une bonne croquette. Genre les croquettes pourraient compenser les chiens quand ils ont fait une bonne action. Ces croquettes dont ils raffolent, il faut pas trop leur en donner, sinon ils vont grossir ou ils vont devenir fous. Bon, j'avoue que je préfère les chats, mais. Les petits toutous, c'est mignon aussi. Quand ils ne mordent pas. Bon. Ah non! Non! Je suis un Gremlins. Tout à fait, je suis un Gremlins. Gizmo, caca! Je vais bomber ces deux connards. Donnez-moi du fric. Oui! Plein de fric! Et du coup, HP up. Et HP up. L'arme pénétrante, gros dégâts. En fait, là ils détendent. Tellement j'étais en mode bon Far Cry 4, mais Skype avec lien de chaîne. Depuis, j'ai pas allumé la Xbox. Perso, on raconte que les soirs de pleine lune, je deviens intelligente. Eh non, voyons. Faut pas se rabaisser comme ça. Si tout le monde se rabaisse, alors qui est plus bas que l'autre? Le streamer a toujours tort. Donc, si vous dites que je suis une femme, je deviens une femme. What? Non mais Blote, on avait dit non. Pas ce soir, j'ai mal à la tête. Ah, on est là pour la déconne. C'est Fantabob Baguette qui devient intelligent.
Ah, sa vanne. Ça fait plaisir d'avoir un peu de monde comme ça sur le chat, d'habitude, c'est pas très animé. Même si Q donne tout son cœur pour ça. Ah, voilà. Blue cap. Tears up. Shot speed down. Ah, c'est shot speed down. Merde. Merde. Bon. Je suis dégueulasse. Alors. Devil Deal ou pas? On le tente ou pas? Dites-moi. C'est un peu le temps de répondre. Je vais bomber la machine. Un peu de fric. Donc alors. Le double boss, pas de double boss. Oui, on tente. Quoi, non, moi, pourquoi, toujours moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, je sais pas quel numéro. On a un vote pour oui. Un petit deuxième. Oui, non. Fanta, Kyu. Le vagabond, si tu es toujours là. Je vous laisse, je viens de te planter, donc à plus, merci, je reviendrai souvent. J'adore vraiment, j'ai passé un bon moment, bonne nuit. Eh ben écoute, bonne soirée à toi Fanta, et à la prochaine. N'hésite pas à follow aussi sur Twitter, pour être au courant plus vite, ou activer aussi les notifs par mail, vu que c'est plus automatique aujourd'hui. Allez, on tente, on a eu un vote, pas d'autres personnes. On va finir cette run. Ah, la question était de savoir si on tente pour aller au Devil Deal. Donc on finit cette run et on part sur Lilith, comme demandé par Vagabond. Allez! Meurs! Voilà! Non, 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 non! Merci! Bon. Loki! Exactement, le vagabond. Je demandais s'il fallait faire le Devil Deal. Bon, du coup, on a lancé pour toujours le Devil Deal. Ah, mais tout à l'heure, on a été trollé hein, en voulant le faire. Du coup, j'essaye quand même de bien le faire. Je vais montrer que j'ai du skill. Hein. Après, ces multiples rectitudes. Bien, Devil Deal. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? Le livre de Belial. Peut-être un Guppy? Non? Pas de Guppy? Un Guppy? Un Guppy! Oh, Guppy! C'est un soir de pleine lune. Je ne sais pas si c'est un soir de pleine lune, si la question est sérieuse. Tu te sens intelligente. Ouais, disque. Ah, le livre de Belial m'intéresse. Le livre de Belial m'intéresse, mais c'est 3 cœurs. Et 3 cœurs, c'est cher payé pour un putain de livre de Belial. Du coup, je vais dire non. Hein, je pense que niveau DPS, on est bien. Tant pis. Tant pix. Et on descend à The Womb. C'est lui, j'en suis sûr. C'est une erreur. Saga. Encore moins que d'habitude. Ah. Ouais, crochet marqué, donc des cœurs bleus. Par contre, ce qu'on me propose, c'est pas top. Je rerollerai un petit coup avant. Alors, je vais acheter la clé. On va voir les thèmes. Et un dry baby. Pourquoi pas à mettre en opposition l'arme. Ah, en fait, le DPS c'est pas top. Hein. Ah, par contre, l'effet de death, je prends. Attends. Des règles, j'y sais, sinon c'est la pleine lune. j'ai pas vérifié. Non, je n'ai pas mes menstruations.
D'ailleurs, je ne les ai pas depuis un certain temps. Q, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je suis en retard. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je dis alors que je suis en pleine vague? C'est comme ça que rip le stream. Non, non, non. Je suis encore visible, hein. Je jette toujours un coup d'œil au chat. Alors que je vois pas. Voilà, on achète. Limite, on... Non, j'ai dit, j'allais bomber ça. Et c'était la... Merci pour le follow, le vagabond. Et bienvenue dans la team. Si c'est la pleine lune, tu serais dans la forêt en train de hurler. Tu deviens un loup-garou. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, HP up. Franchement, faut que j'arrête d'acheter les HP up. Masque of Fin Fame qui devrait être plutôt simple avec les faux. Bienvenue dans la team shot, il va le regretter. Ouah, mais elle est très bien la vie. Je trouvais que ça allait vachement bien avec le défilement du follow. D'ailleurs, il faudrait que je trouve, si je mets, enfin, si j'obtiens des subscribes, que je trouve un son, que ce soit pour les subscribes, pour les dons, pour plus tard. Quand je serai un streamer corpo qui prendra 15 000 euros pour streamer un jeu. La foutue fée qui fait chier avec ses phrases à répétition. Hey, look! Listen! Listen! Watch out! Avec Binding of Isaac. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, vagabond. Avec Binding of Isaac. À cause du retard Twitch, parfois on peut perdre le fil. Et je perds facilement le fil de ce que j'ai pu dire avant. Eh, bienvenue Arthur HMS. Oh, KO. Et merci pour le follow. Bienvenue dans la team. Ah, il va falloir que je trouve une autre phrase parce que. Ah, bienvenue dans la team, c'est pas génial. Hein. La fée qui va bien avec Binding of Isaac. Oui. Mais surtout avec le défilement. Qu'on entend bien le son quand le truc arrive. Le hey hey look quand il est dessus. Et le son quand il repart. Mais on sait tous que Isaac, c'est. Bah, c'est comme Zelda. Regardez. C'est exactement Zelda. Bon, je vais prendre le chaos, tout simplement parce que c'est juste péter le chaos. Ça va mélanger toutes les poules. Et je vais prendre un cœur gris, bleu, 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 il est bleu. Et du coup, je ne vais pas faire le Devil Deal, tout simplement parce que dans le Devil Deal, maintenant, il va y avoir de la merde. Hey, on va te sodomiser si tu sens que ça. Non! Quoi que si, je vais lancer le David Deal parce que parfois il peut y avoir des cœurs. Des cœurs, des. Ok. Des coffres rouges. Je peux me faire bourrer aussi. Oh putain! J'aurais pas dû! J'aurais su, j'aurais pas venu! Zelda, c'est un de mes jeux préférés. Ah, mais aussi. J'ai acheté la Wii U juste pour le prochain Zelda. Et pour Smash. Franchement, j'espère qu'il sera bon. Godroom. Bon, c'est même mieux. Ne pas lire le chat. Vagabonde. J'ai encore lu le chat, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû lire ce putain de chat.
Que veux-tu? On se refait pas, hein. Ah putain. Allez. On est chaud. Il a joué pour la première fois sur Nintendo 64. Ah, mon premier Zelda auquel j'ai vraiment joué, je crois que c'était celui-là. Après, j'ai dû faire la plupart. Il est en open world. Ah, open world ne peut pas dire forcément bien. Malheureusement, Kyo. Ah, une carte The Lover. Ah, pas intéressant avec ce perso. Promise aid. Bah oui, c'est moins cher que gratuit. Ah oui, Tamise aid. À chaque vague, je vais pouvoir faire ça. J'étais parti pour stream au début, mais en fait, je vais rester ici. J'ai la flemme, on se marre bien. Lui, c'est combien de fois on te dit de pas lire le chat? Tu le lis quand même, tu abuses, lis pas le chat, les messages. Bon, d'accord, maintenant je vais faire start pour lire le chat. Voilà, vous avez gagné. Bon, il est où ce connard? J'adore Zelda, Mario, presque tous, League of Legends, Minecraft, Isaac. Mais j'ai pas de PC et le jeu pour y jouer. Ah, Isaac, il demande pas vraiment de ressources. Pour streamer Isaac, ouais. Par contre, pour y jouer n'importe quel PC avec une manette, allez, à partir d'un PC à 200 boules, tu peux y jouer. Moins cher que gratuit, tu rends l'argent aux abonnés du coup. Non, parce qu'on m'a toujours pas donné d'argent. Donnez de l'argent et je vous le rendrai. Ou pas. Ceci n'est pas forcément contractuel. Ah, mais effectivement, ce sont des jeux très bien, Arthur. J'ai moi-même grandi avec Mario, tous ces jeux-là. Minecraft, j'y ai joué, League of Legends, j'accroche pas du tout, par contre. Je peux pas, je suis mineur. Tu peux pas faire de dons? Ah, mineur, désolé. Mais t'inquiète, ça passe avec le temps. Oh putain, Krampus, tu me gonfles. J'ai déjà l'Hump of Coal, donc dégage. Du fric. Pardon. Book of Sin, non, moi je m'en fous, c'est pour toi. Bah, de toute façon, j'ai pas activé les dons, donc je peux pas rendre l'argent, il n'y a pas de dons. La liche, c'est de la merde avec Boo Baby. Non, il y a vraiment rien que je pourrais acheter. Par contre, tu fais lancer Boo Baby. Non, non, ok, non. Non. Garde mon argent. Ouais. Garde ton argent, t'en auras besoin pour plus tard. Surtout au train où vont les choses. L'argent, c'est pratique. Il faut bien l'économiser. Et je perds ma voix, je crois que j'ai trop gueulé. Ah non! Je lis le chat! Encore! Je vais me faire engueuler par Vagabonde. Et par qui où? Le chat, ma malédiction à moi. Non. Je vous avais prévenu, hein. Chaos, ça rend les débiles deals pas intéressants. Le Tamise aide vraiment OP avec Death Touch. Manque plus que les Polyphemus, Proptosis et Ipecac. Non, pas Ipecac. Arthur, non, tu sors. Ipecac avec Tamise aide, c'est même pas la peine. Tu as chopé 3 abos en live. Pas un chat, exactement. J'ai chopé 4 abos aujourd'hui, j'en suis content. On dirait en disant ton argent, tu en auras besoin plus tard. Prends une Femus. Nope. Lis pas le chat. Ça va devenir un hashtag. Faut que ça devienne top top tendance sur Twitter.
Réduit dommage. Non, c'est ça annule les dommages que je prends de face, mais pas à 100%. Du coup, ça vaut absolument pas les 3 cœurs gris que je pourrais balancer dedans. Dont un grâce à toi. Effectivement, merci vagabonde. Et regardez, tu voulais une famille? Le voilà. Du coup, bah, je vais le prendre, hein. Et Spoon peut-être. Y a pas de mal à Arthur. Cambion Conception, non. Je vais avoir les moyens pour m'acheter un petit truc. Si on met lit pas le chat, comment ça peut devenir célèbre si on ne doit pas le dire? Wait, what? Je suis d'accord. Allez. Et bon, on va faire les vagues. Wow, c'est pété! C'est pété! Oups. Du coup, là, je vais pas lire le chat parce que. Je déteste ces nouvelles vins. Main. Il y va. Bon, forcément, ça ne one-shot absolument pas les boss. Hein. Faut pas s'attendre. Ah, ce que ça soit. Forcément. Oh, mais. Le machin, il vient jusqu'à moi. No, 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 no. Dégage! Ah, oh, mais non! J'aime pas ces nouvelles mains à la con! Chaque lit pas le chat. Mais putain! Je lis! C'est bien ça le problème! Et comment on va faire? Il y a une transformation où tu as tous les Léo Sagittarius? Il me semble qu'il y a une transformation en. Non, il n'y a pas une transformation, pardon. Il y a un item! Mais il n'y a pas de transformation en signe du zodiaque. Je t'ai eu. Méchant Q. Méchant. Allez. Allez. On a un item de guppy, les enfants. On a un item de guppy. Par contre, avec Blue Baby, je prends pas le chat. Oh! Oh non! Regardez ça! C'est vagabonde, mais je t'en veux pas. Ah. Désolé, parfois je ne dis pas le de, mais je reconnais bien quand c'est toi, t'inquiète pas. Le chat te troll vraiment. Oh my god. Oui, le chat me troll en plus du chat. Bah ouais, en fait, ça me manquait beaucoup trop. Mon dieu, je deviens addictif pour les gens. Bon, what? Franchement, si là je peux acheter cette putain de Guppy's Head, on va être bien. On va être bien, les enfants. Nope! Nope! Ah bah, elle est mourée, hein. Guppy's Head! Guppy's Head! Oui! Pardon. Wouhou! I'm Guppy! C'est bien maintenant, il y a un petit son et il y a un petit truc qui s'affiche pour dire qu'on s'est transformé. C'était pas le cas avant et franchement, c'est plutôt bien. En fait, ne lis pas le chat aussi pour le public, donc on doit pas le lire. Wait, what? It's back. Attends, du coup, bah, là c'est pété, hein. Voilà. Putain de merde! Tu as une chaîne YouTube? Oui, Arthur. Ça fait justement au moment où je te parle. Là en dessous, tu me trouveras à ce pseudo. Ah, à moins que tu parles à Vagabonde, effectivement. Et c'est Vagabonde de YouTube. C'est très original tout ça. À guise, Jira. Oh! Oh! Je prends Jira.
Et je regarde un peu s'il y a des trucs à copier parce que. Rien. Attendez. Les enfants. Il y a un cœur bleu. Par contre, on n'aura pas bourré la machine dedans. Tu voulais me voler la vedette. Oh, vilaine! Hop. Et il y a aussi un Twitter, donc, pour être au courant plus vite de mes streams, car Twitch n'active pas automatiquement les mails. Et puis parfois je poste des petits trucs sur Isaac, genre ma dernière run complètement pétée contre Mega Satan. Dis donc monsieur, je crois que t'es en train de lire le chat. Arrête de lire le chat, stop it now. Ah, j'étais pas pendant un boss. Du coup, là je vais me comporter gentiment, voilà, avec Grid. En théorie, le boss devrait se calquer sur le DPS que je viens de faire. Et quand je vais arriver avec Strang et Tamiz Head, il va dire « Oh oh, mais c'est quoi cette merde ?» Allez, Ultra Grid. En plus, je lis, en plus, mais bon. Bon, le coup des 25 pièces était plutôt pas mal, là, sur le boss. Qui me permet d'être bien pour remplir la machine de dons. Toutes ces mouches. Faites le taf, les mouches. Je suis un petit chat. Et j'aime les petits chats. Surtout ceux-là. Non, pas les clés, pas les clés, pas les clés, pas les clés. Parfait. Par contre, j'ai pas de portée. Ah bah voilà, il y a une clé que j'ai dû oublier. J'ai une clé qui me gratte. No. Le chat est un virus. Mais pourquoi je lis le chat? Putain. Je dois me sentir un petit peu trop en confiance. Putain, Ultra Grid, il est pas simple. Hein. On aura galéré hein, pour obtenir ce build. Et voilà. En plus, je vais vous montrer un truc que pour l'instant, seul Q connaît et qui est super, c'est ceci. Tada! Et on obtient le dé craqué. Alors, trop de jaune de ce chat. Eh ben moi, je vous vois rouge. En fait, le chat est un virus, tu ne pourras jamais arrêter de lire, tu le lis là. Perso, il n'y a que du vert. On a tous un truc différent. Il faut tout pour faire un monde. Et avec le boss. Hop. Bon, parfait. Au moins, on n'aura pas eu de problème. Tada! Allez, je vous laisse la vidéo. J'enlève le rect. Yeah! Bon! Du coup, c'est là où je vais faire mon petit découpage de VOD habituel. C'est-à-dire que je vais faire pause play sur mon stream. Si vous étiez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime si vous avez apprécié. Sur Twitch, profitez-en pour me follow sur Twitch et sur Twitter pour être au courant des prochains lives, une demi-heure en avance ou plus. En attendant, je vous dis à tous, à bientôt sur YouTube et à tout de suite sur